Le virus nous a été livré comme une boîte surprise, importé et déposé devant la porte. Il suffit de peu de choses pour l'attraper, et on a vite réalisé que la contagion était presque inévitable. Il n'a pas suffi de sonner à nos portes, apportant sa liste de mauvaises nouvelles et d'interdits, de semer ses germes sur nos choses matérielles et en nous, de nous couper de nos proches, de déstabiliser nos vies, d'interrompre nos habitudes. Mais il a fallu aussi inviter l'anxiété dans nos cœurs. La guerre est déclarée. On s'informe un peu, puis beaucoup, beaucoup trop. Elle est presque partout ailleurs, alors on nous ordonne de déserter les rues. Confiné est le mot à retenir. Rester chez soi est la règle générale à suivre pour survivre. Tout le monde se plie aux ordres, sauf les plus braves et quelques personnes qui choisissent d'enlacer leur ignorance. Aux grandes nouvelles, personne ne voudra faire la rencontre fatale et embrasser la maladie. Alors on fuit. Nos parents, nos amis, on ne se serre plus la main. On ne touche rien, ni personne, même plus son propre visage. Et on se tient gentiment à l'écart. C'est ainsi qu'on se protégera désormais. Nos relations sociales sont réduites, nos relations amoureuses s'affaiblissent, tout laisse place à l'instinct de survie qui surgit, et la peur contagieuse de tout. Quatorze nouveaux cas. Trois morts. 12 millions en peur. La situation semble s'empirer. Les rayons de magasins sont dévalisés. Les prix grimpent en hausse constante. La crise alimentaire mondiale s'aggrave. Les frontières sont fermées. Le pouvoir d'achat en chute brutale. Et la liste est longue. Vide, entre ces murs interminables et entouré de ce blanc écrasant, je te vois. Au début, je t'ai reconnu à ton regard timide et tes visites furtives qui devenaient de plus en plus insistantes et prolongées. Ton regard est à présent perçant et ta présence pesante. Je te reconnais à ta peau blanchâtre, à ta bouche dévorante et tes chaînes suffocantes qui s'enroulent autour de moi. J'essaye de te fuir en prenant refuge dans mes carnets de croquis. Mais à la minute où je lève la tête, tu es là, en face, effrayant et silencieux comme un fantôme. Tu ne me quittes plus, tu me guettes, tu me juges, tu ricanes devant mon emploi de temps, tu méprises mes efforts, tu observes mes petits gestes routiniers auxquels je m'attache pour avoir encore un semblant de vie. Je crois lutter avec des mots à l'encre, je crois lutter avec des dessins au crayon, du rouge patient. Mais j'ai l'air d'échouer. Je me suis familiarisée avec chaque coin de ma chambre et j'ai fait l'inventaire de tous les tiroirs de ma tête. J'ai tout lavé, désinfecté. J'ai même inventé des nouvelles formes de rangement. Mes yeux, mes oreilles se sont trop habitués aux objets qui m'entourent. Sur cette chaise, je passe 11 heures chaque jour. Assise devant un écran,
Accoudée à cette table, désespérément seule, avec mon corps et quelques objets muets, je ne reconnais plus les jours. Lundi ressemble à dimanche, hier ressemble à aujourd'hui, et demain à hier. J'ai l'impression de devenir moi-même les aiguilles d'une montre. Tout ce qui m'est donné de faire est de tourner en rang, passer les heures et penser en boucle. Mes projets s'effondrent et mon avenir agonise dans un présent sans fin. Alors pour rompre la toile de Pénélope, j'imagine le confinement des autres. Que font-ils? Comment passent-ils la journée? Vivent-ils le confinement en solitaire ou entourés de leur famille? De quelle couleur est leur canapé? Ont-ils un animal de compagnie? J'alimente ma curiosité en décorant des espaces inconnus, en conversant avec des personnes imaginées. Je deviens follement assoiffée de nouveautés et de rencontres. Presque un mois sans écrire sur le confinement. Et pourquoi dire que la situation actuelle est grave? Que la vie comme on l'a toujours connue ne reviendra peut-être jamais? Et qu'on n'a même pas eu le temps de faire proprement nos adieux? Alors voilà, l'isolement continue, la période de confinement se prolonge. Et moi, engourdie, je ne ressens presque plus grand-chose. Je n'attends plus grand-chose. Je suis fatiguée à ne rien obtenir en guise de réponse que l'écho de mes questions. À ne rien recevoir après toute cette patience que davantage de l'attente. Aucune promesse ne séchera les larmes de ma tristesse profonde. J'ai envie de rompre cette corde qui me reliait encore de justesse au monde extérieur. Je regarde cette infime ligne qui sépare le vide que je ressens du néant vertigineux. La plage me manque. Regardez la mer qui s'agite et les vagues qui avancent me manquent. Ces lignes mouvantes qui courent vers moi s'élèvent un instant dans une courbe théâtrale pour s'écraser juste après, s'aplatir et disparaître. Comment s'abandonner dans ces circonstances à cet exercice reposant, à cette observation apaisante? Il faut se plier à la situation et il ne me reste plus qu'à regarder dans le vague et me réfugier dans un souvenir bleu. Pourquoi pas monter de toute pièce une image? Ajouter un fond de bruit d'enfants qui jouent, de pas de coureurs qui passent, de chiens qui aboient, et le rire des mouettes. J'arrive à constituer un semblant d'image, mais il faudra s'y accrocher, la protéger de se disperser et disparaître. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de revoir les vagues une autre fois. Peu à peu, garder espoir devient une épreuve difficile. J'ai essayé de me distraire de ce mal, mais je finis toujours repliée sur moi-même, me sentant lasse et vaincue. Mes idées s'assombrissent et le brouillard s'intensifie, et n'a pas l'intention de passer et dévoiler enfin la clarté de demain. L'attente s'allonge jusqu'à l'infini. Le découragement et l'ennui se sont invités chez moi. On maquillait mon visage de cernes et on décoiffait ma tête. Ils décident désormais de mon goût vestimentaire. On troquait mes robes et sacs à main contre des pyjamas. Ils dînent sur ma table, se nourrissent de ma chair et boivent de mon âme. Je n'ai plus la force de lutter. Alors, je me laisse aller. Je m'enfonce. Je passe le temps lourdement affalé sur mon lit ou plié en quatre sur ma chaise.
Je me plonge peu à peu dans le chaos silencieux de mon être, le corps paralysé, le regard vide et le sommeil de plus en plus agité. Isolé, 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 enfermé, déserté, cloîtré, prisonnier, 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 séparé et esselé, non, entouré de murs, 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 étroits et tables, chaises, plafonds, fauteuils, écrans, cloîtré, pourquoi? Pour protéger. Par précaution, prudence, comment réfléchir? Cloîtré, isolé, chambre, que regarder? Que faire? J'ai visité, revisité ma mémoire, mes souvenirs, des questions, de l'avenir. Mur. Chaise, heure, descendre lentement, lourdement. S'affaler sur un divan, regarder passer, temps, tourne, attendre, redescendre, tête qui tourne. J'attends que ça passe, retour au départ, refaire inlassablement, fauteuil, chaise, heure, glisser tristement, répéter. Oh heure, c'est l'heure, à table, cuisine, retourner dans un carré, regarder écran, reprendre, prolonger les réflexions. Regardez, 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 et glisser encore, s'écrouler, fendre peu à peu, devenir mur, chambre, table, lit, 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 lit. Sortir? Non. Attendre.